N'a dit tout le monde bonsoir et bienvenue dans Bulletin Nouvelle. Nous pour journée jeudi, non pas M. Valério Saint-Louis. Nous avons remercié tous les amis téléspectateurs qui journée jeudi encore une fois. Permettez-nous d'entrer dans le salon La Caillou, un jour pour nous porter une nouvelle actualité qui va à Kevin National dans le pays d'Haïti dans la semaine qui s'est passée là. N'a pas que nouvelle s'il y a ce qu'on est déjà, nous même pas bon ici dans la salle nouvelle nous, formule pas nous. C'est tendu à quoi ces deux, côté que journée jeudi, grâce à l'image que nous avons porter baou, nous allons vérifier pour vous qui jour qui comment nouvelle était passée pour tout bon vrai dans le pays d'Haïti. N'a commencé nouvelle là par rappeler que actualité à ces derniers temps dans le pays d'Haïti, et ben c'est la mort deux anciens militaires, et ben d'après la police eux-mêmes messieurs ça c'était des bandits armés que t'as cherché depuis quelques temps, ils étaient même metté un prix sous tête messieurs Silayo. N'a parlé de monsieur Ravix Ramisent qui était un ancien militaire ex-sergent de l'armée d'Haïti et n'a parlé tout de monsieur René Jean Anthony alias Grinsonnet qui lui-même tout t'est tombé dans ce même qui s'est passé là en bas la police nationale. Après une grosse confrontation qui était faite dans la zone Delma 33 plus précisément et ben souterrain Accra côté que monsieur t'a goumé, monsieur t'a marié zam sérieusement, et bien la police finalement t'est arrivé, criblé avec balle, Ravix Ramisent, et juste après, il t'est arrivé, mettez la main tout, et t'est arrivé tout et tout, monsieur René Jean-Anthony alias Grinsonnet. Nous allons entrer dans l'actualité, nous allons maintenant direct en dedans conférence de presse qui était faite dans le commissariat Delma 33, côté que nous avons gardé là. Côté que madame Jessica Mokwaku, qui est porte-parole police nationale, là, te prend la parole, elle te présente à la presse et qui était là, qui te répond présent lui-même. Eh bien, qui joue, qui comment, eh bien, opération, ça t'est arrivé faite. Son est là, puis vite suivre quelques séquences de conférences de presse, là, après qui débat quelques heures de temps après incident, après opération, ça, qui était faite dans la zone Delma. Côté que, eh bien, Jean-Anthony, René Jean-Anthony, alias Grinsonnet et Ravix Ramisent, t'est arrivé, joint dans le t'est tombé en babal, la police nationale. À nous suivre quelques séquences de conférences de presse, ça, n'a pas plus qui était bail à deux dans commissariat Delma 33, n'a pas gardé là, avec certainement participation, et une représentant, ou du moins, porte-parole, organise ça, qui est le Steve Paul, qui représentait, eh ben, messieurs policiers, en dedans, Mission Nations Unies, hein, avec tout, l'autre policier, eux-mêmes, qui t'a montré, et ça, ils étaient joints, pendant qu'ils étaient fait opération, ça, ils étaient joints gros armes, fond de foie loup, ils étaient joints tout uniforme, que messieurs étaient gagnés, uniforme la police, que messieurs bandits armés étaient gagnés, mais en tout cas, une question qui pas de facile, puisque messieurs policier était goumé et d'après madame Jessica Mokwaku pas un policier qui était blessé ni mouri mais plusieurs bandits armés eux-mêmes étaient joints la mort. On nous suit. La police nationale saisit au cours de l'opération ça 4 Galil 3 T65 chaque zam sa yo et moun qui était en tête opération dit que yo chaque t'ai 3 chargeurs avec yo. Ça veut dire que plus de chargeurs qui t'ai dans zam nan t'ai 3 chargeurs. C'est comme si moun nan tapit moun nan te gen zam sa nan men lan c'est 4 zam finalement te gen nan men nou seul. Yo saisi yon Kalachnikov, yon M16, yon lance-grenade, 3 ceintures de 100 cartouches. Yo saisi plusieurs uniformes là, plusieurs uniformes vert olive de police. Yo saisi et gen des saisies qui étaient faites la veille au cours de l'opération la veille là. Saisi la veille, yo c'était 2 M14, 2 M1, yon 12 avec yon 38. Il y a trois machines qui ont été saisies dans samedi, au cours de l'opération samedi. Hein. C'était une Toyota, une Nissan Patrol et une Chevrolet. C'était donc des extraits de conférence de presse qui étaient dans le commissariat Delma 33, côté que la police t'a expliqué qui gens qui comment opération ça a été passé. Opération qui était arrivée well en mort, deux anciens militaires, deux gros chefs, anciens messieurs militaires immobilisés, Ravix Ramisent avec René Jean-Anthony alias Grinsonnet. Mes amis, nous permettons de comprendre plus bien la question, nous parlons fouiller zone à Kalalou pour nous mener en fois ça, et bien sous terrain côté messieurs Taboum. Terrain ça, c'est dans la zone Delma 30 que lié, il y aurait le terrain Accra, et c'est dans la zone ça, c'est sous terrain ça même que messieurs Bandi Arméo t'a tirer armes ensemble avec messieurs policiers. On a regardé plusieurs curieux, plusieurs monde qui étaient dans zone là qui eux-mêmes après que messieurs étaient fin tirer gros armes et ben ont regardé à deux j'ai pas qui gens ça t'est passé. Côté que curiosité monde qui étaient dans zone là t'est poussé à regarder à fouiller jusqu'à ce yo joigne Radmen accent yo, yo joigne Maxan Atea et ce qui prouvait vraiment et ben t'es gros armes qui t'a tiré, c'est donc gros guerre qui t'est faite souterrain ça dans zone Delma 30, terrain ça qui relait terrain Accra. N'a pas rappelé que messieurs tombé en babal et plusieurs policiers eux-mêmes et ben t'est arrivé et séquestré très saisi zam bandio, plusieurs bandits même t'es arrivé blessé plus passé 12 nan yo et nous connaissons déjà nouvelle la tombée Ravix Ramisent ensemble avec Grinsonnet yo même est arrivé criblé à balle nous te montre semaine qui s'est passé là cadavre quoi Ravix Ramisent c'est comme ça causé aillé nous avons regardé là curieux yo même t'as regardé yo t'as fouillé yo t'as parlé en pile t'as fait dans zone ça en zone qui était mobilisée zone Delma 30 ça pendant que opération ça t'as fait opération qui joue aujourd'hui a et ben abouti à la mort de gros têtes messieurs anciens militaires démobilisés.
N'a pas retourné encore une fois dans l'autre conférence de presse, fois ça, amis téléspectateurs, côté que toujours Madame Jessica Omokwaku, qui est porte-parole police nationale là, fois ça, en détail, il pourra le présenter à la presse, et bien fait récit des événements. Qui genre ça t'est passé, il pourra expliquer l'histoire selon la police. Madame Jessica Omokwaku a expliqué qui genre ça t'est passé, et d'après lui, d'après ça, le fait qu'on est, pas gagné aucun policier qui t'est arrivé blessé, pas gagné aucun policier tout qui t'est arrivé mourir ni prendre balle. C'est plus M. Bandio qui est même arrivé victime, et d'après Madame Jessica Omokwaku, opération ça, il était, et bien, sous commandement la police nationale seulement. Messieurs Nations Unies n'ont pas impliqué dans ZAXA, dans l'opération ça qui était la mort Ravix Ramisset avec Grain de Sonnet. En nous suivre, deuxième conférence de presse, que Mme Jessica Omokwaku te baille dans Port-au-Prince. En nous suivre. Dans samedi matin, très tôt, depuis vers 8 heures, la police planifiait une opération avec l'aide de Civpol et la police allait au niveau de la police quadrillée, toute zone d'Elma 33, toutes les zones de. Puis Blain, Caradeux, Delma 75, Delma 30, Delma 48, tout côté qui a une issue pour Mounsayo, tu es capable d'échapper. Là, la police arrive au niveau de Delma 33, que lui fait, que lui quadrille les zones, lui joint que monsieur Sayo, monsieur Armé Sayo, il a sorti justement à bord de trois véhicules pour aller recommencer faire brigandage dans la ville. Trois machines Sayo, c'est une Nissan Patrol de couleur blanche, une Toyota Pickup, double cabine. Et un Cherokee blanche qui est tous les trois ça yo, c'est des machines que moun sa yo te volé et que t'a fait zak brigandage à bord machine sa yo. C'est comme ça la police commencé et opération ça moun sa yo couri yo abandonné machine sa yo et yo essayé retrancher yo au niveau de Delma 30. La police continue poursuivre yo, yo allé yo tombé dans ravine yo jeté yo dans un terrain. On va ce terrain, la police continue à poursuivre jusque là, comme on dit nous, la police te met un dispositif très solide en place pour être capable de boucher tout issue. Et c'est comme ça que dans l'échange de tir, M. Rémi Saint avec deux autres et camarades li, qui joignent la mort dans l'échange de coups de feu avec la police. Gagné au cours de l'opération ça, 18 arrestations que la police fait. Gagné 3 moun sa yo qui joignent la moyo et gagné plusieurs armes que la police saisit. Bon, vous pas lui-même tout, ministre justice, gouvernement provisoire, M. Bernard Gousse, t'es pas en conférence de presse. Côté que pendant la conférence de presse, ça, ministre justice, là, t'es félicité, M. policier, yo, pour opération ça et que t'es mené en bien. Il t'est précisé tout pour plusieurs journalistes qui étaient là, qui t'a posé question, que c'est seulement policier national, yo, qui veut dire policier haïtien, yo, qui t'est arrivé mené question. Qui t'est arrivé donc, mettez en bas armes, M. Bandi Armé. Bon, j'entends des paroles ça, comme quoi c'est policier, c'est militaire. Étranger qui t'a rentré pour faire opération ça, comme quoi police nationale n'a pas capable lui-même faire opération ça. Que ça, moi profiter, mieux qu'on pose des questions ça, moi profiter pour me dire c'est policier qui fait opération. Mon ministère a été aidé pour assurer le périmètre, mais mon qui rentre dans la caille, mon qui a couru des bandits, mon qui pendant deux jours a couché, couru dans la rage, couru derrière mon, c'est policier haïtien uniquement. Si nous avons quelque chose qui est clair, parce que c'est un grimoire dans le pays à tout. Mais les policiers haïtiens. Alors moi, je prends comme un compliment. Si un peu de monde pense que c'est Mérine qui est rentré, eh ben, ça veut dire que c'est compliment nous faire oublier ça. Ça veut dire que Mérine qui est dans la police, un monde qui est dans la police là, qui cap goumé même genre, et éventuellement que Mérine n'a pas goumé. Bon, on n'est pas lui-même, NCHA, qui sont organisation droits de l'homme, t'es réagi sous affaire de la mort avec Scamisset, avec M. René Jean-Anthony, alias Grain de Sonnet. Et NCHA lui-même fait qu'on est que lui regrettait le fait que M. Silayo, c'est comme ça qu'il est arrivé à joindre la mort. Il a déploré le fait que M. Ravix Ramisset, ensemble avec René Jean-Anthony, alias Grain de Sonnet, eh bien, pas traité non vivant, puis il a répondu devant juge naturel, yo, parce que M. Silayo, d'après NCHA, qui sont organisation droits de l'homme, c'est gros criminel que y a. Il y a plusieurs actes, plusieurs crimes que y a accusé. Porte-parole NCHA, organisation droits de l'homme, ça, t'es entré dans le détail pour t'expliquer, eh bien, qui qualité crime et actes criminels que M. Bandi Silayo a sous tête, yo. Juin Jodia, il a déploré le fait qu'il n'est pas capable de répondre devant juge naturel. Mais si on fait voile pour payer son chapeau, et certainement, c'est devant Papa Mon Dieu qui a bien pu le juger. NCHA a rappelé que René Jean-Anthony, c'était un gros attaché sous régime Lavalasla qui était responsable cellule zéro tolérance dans Delma et qui était responsable en pile ZAC exécution sommaire qui était toujours fait dans la commune et dans l'autre zone dans le pays. Il a reproché René Jean-Anthony, alias Sonnet, de monde qui impliqué dans la disparition de la famille Belris dans le commissariat Delma 33 dans l'année 2003.
Exécution Abraham, responsable de compagnie sécurité avec divers autres membres de famille dans Delma. Quatre policiers qui ont sécurisé Chan Carnaval qui étaient morts sous patrouille. Attaque sous divers commissariats. Attaque sous pénitentiaire le 19 février 2005. Deux policiers avec chauffeur responsable APN qui mourit dans la date 28 mars et puis ont été mis sous sur cadavre. Attaque qui fait sous conseil électoral provisoire 28 mars. Menace la mort sous diverses autorités dans le gouvernement et responsable dans la police. Zak kidnapping, vol de véhicules. Dans mon fond liberté, Tigouave, dans l'année 2003, son été assumé, il détruit 39 mon âme. Attaque dans Gonaï, février 2004, question disparition forcée, etc. Ravix Rémi Saint lui-même, il est un ancien militaire, il a reproché l'étape de diriger une troupe dans une zone pénale. Il est responsable et diverses activités de violation de droits humains pour tirer de la vie humaine dans une zone pénale, sans perdre la Scaroubas dans l'année 2002. Il a cité une attaque qui fait sous divers commissariats et sous-commissariats. Ils ont accusé le tout de monde qui t'a impliqué dans la mort policier qui t'a sécurisé le chan à l'époque carnaval. Ils ont accusé le tout de attaques qui fait dans la zone terre rouge. Ils ont accusé le tout des attaques qui fait sous ancien soldat Jean-Baptiste dans le plateau central, côté Jean-Baptiste qui était mort là pour là. Ils ont reproché de diverses attaques avec des armées policiers qui sous-portent.